Coucou les amis, c'est le Bledard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, situation un petit peu catastrophique de ma vidéo, mais ça fait plaisir. Et aujourd'hui en plus, je suis trop loin du micro, donc ça fait plaisir, ou pas. Tu veux qu'on se tape? Donc, le jeu s'appelle VR Worlds. Et on peut choisir entre par exemple Danger Ball, ce sont des sortes de mini-jeux. The London Heist, c'est ce qu'on va faire. VR Luge, on peut faire de la luge en réalité virtuelle, c'est pas mal, peut-être qu'on testera dans une... Oui, tu veux passer dans la vidéo quoi? Malade, va malade. Scavengers Odyssey, Ocean Descent. Ah ouais, on peut voir des requins. Vous voulez qu'on aille voir des requins avant de faire un braquage? C'est pas vrai, arrête tes conneries. Des petits poissons. Hé, hey, ça va? Ouais. Je sens qu'on va faire une... Non, ça c'est le micro. Ça va? Tu vas bien? Nemo, il est où Nemo? On n'est pas vraiment autorisé à mener ce genre d'opération dans le coin. Il est où ton cousin Nemo? Waouh, comment tu es mignonne. Arrête, Django, il va être jaloux. Ma petite jalouse à moi. Comment tu vas? Ouais, ça va bien. Nemo. Pour la descente, ouh. Oula, oula, oula. À toi de jouer. Wow. Ah, c'est flippant quand même. Eh, franchement, je me... Sois vigilant. On va te suivre pas à pas grâce aux images que nous envoient les drones. Wesh, mais il est con ou quoi lui? Franchement, je m'attendais à pire pour de la PlayStation, tu vois. Prochain arrêt, le sous-sol. Et là, franchement, c'est joli. Je peux te dire que c'est joli, hein. Oh la vache! Ok, on détecte pas mal de mouvements là. C'est flippant! T'auras pas le temps de t'envoyer. Wesh! Et le cousin de prince! Des petits espadons comme ça! Je sais pas c'est quoi comme espèce. Alors s'il y en a qui reconnaissent les espèces, faites-en en profiter. Oui, un crabe! Le détecteur s'affole. La pince. Il y a bien quelque chose de gros dans le coin. Ah bon? Non, s'il vous plaît. Pour les relever, la descente va être plutôt rude. Franchement, c'est immersif, hein. Je sais pas comment vous le sentez à travers votre écran, mais moi je suis à fond dedans là. Sortez-moi de là. Non, c'est pas continuer là. Oh là 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 là, la catastrophe. La catastrophe. Je voulais juste plonger à sa vie, tester mon nouveau maillot de bain. Vas-y mollo avec le treuil. On dirait la faille de San Andreas. C'est le chemin le plus rapide pour descendre. Wow. Y'a plus de lumière. J'ai payé la facture de Def, non? J'ai payé la facture. Est-ce que tu me reçois toujours? On va ralentir la descente. Wow. D'accord. JJ, tu peux baisser le rythme? Pas besoin de descendre. Je baisse le rythme. Remontez-moi, wesh. Je m'en bats les steaks. Waouh, la méduse. Ça va? Tu t'es pas trop chier ici? Non? T'as pas grand-chose à faire, hein? Ouais, ne me touchez pas, par contre. Hein. Ça, apparemment, quand tu te fais piquer par une méduse... Comment ça fouette? Ah, tu t'en rappelles, hein? Ah bah oui. Eh, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est joli. Je suis agréablement surpris pour l'instant. Rallumez. Waouh. On descend encore. Mais t'es mal écrabe, mais qu'est-ce que vous foutez là? What? Ça venait, ce truc. C'est quoi ça? C'est sur aucun de nos relevés. On a trouvé un trésor. On aurait resté aussi évasif. JJ, une idée d'où peut bien venir cet engin? C'est un bateau, c'est quoi? Non, chef, aucune idée. On n'a pas de signature correspondante et rien d'aussi gros n'a été signalé dans le secteur. Putain, c'est énorme. On ferait bien d'aller voir ça de plus près alors. Ça m'a tout l'air d'être militaire. J'avoue. On dirait un sous-marin. Si c'est bien le cas, on devrait pas tarder. C'est radioactif. C'est radioactif cette merde. C'est radioactif, wesh. Putain, tu m'as fait peur. C'est radioactif, regardez. Ça fait des tit tit tit. Le compteur GGR vient de s'activer. Voilà. Éteins-moi ce bordel, tu veux? T'as vu qu'est-ce que j'avais dit? Ça sent le roussi, le tétard. C'est radioactif, regarde. Et pour l'instant, tu risques rien grâce à ta... On va se transformer en schtroumpf. Ah, j'ai une combinaison. Ah bah ça va alors. Wow. Doucement. Je suis gentil. Surtout, regarde bien tout ce qui va vers le fond. Quoi? On n'a pas beaucoup de temps. Essaie de récupérer tout ce qui peut avoir. Vas-y, récupère, on se casse. On s'occupe du reste. Je détecte une forte signature thermique. Waouh, c'est quoi ça? Peut-être la source des radiations. Ouais, il y a un truc là. Monsieur, je peux tout vous expliquer, monsieur. En fait, non. Oh la vache. Oh, putain. Bâtard, va. Il est où? Putain, il m'a fait peur. Oui, je suis en stress. Monsieur. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Je ne suis pas... Oh, oh la vache! Arrête tes conneries! Tu pues! Ouais, va le manger, voilà. Oh putain! Arrête, je rigolais.
Remonte, mais remonte. Remonte. Putain. Non. Wesh. Remonte, c'est quoi que tu comprends pas dans remonte? JJ, qu'est-ce qui cloche avec ce trail? J'en sais rien, remonte. Je crois que le câble est bousillé. Oh la vache. Le câble est bousillé, pas par hasard. Le bouquin est derrière. Wesh. Poussez-vous. Il est là. Remonte. Tiens, il est bien fait. Pétasse. Tiens, il est là. Vous voulez pas m'aider en fait, vous voulez que je meure? Ok, c'est bon. Ouvrez la cage, j'ai envie de mourir, c'est bon. Panda capable, va. Ça va bien? Wesh, non. Non. Wesh. Arrête! Putain, qu'est-ce qui se passe là en bas? Il veut revenir, il veut me péter! Remonte! Ah non. Je n'ai rien fait du tout. Ne reviens pas. S'il revient, je meurs. Non, parce qu'il n'y a plus rien là, on est d'accord. Mais remonte. Remonte. Voilà. Parfait. Non, monsieur, s'il vous plaît, on peut s'arranger. J'ai regardé tous vos documentaires, tous vos films. Les Dents de la Mer 1, Les Dents de la Mer 2. Comment t'as bien joué, t'avais bien joué. Oh là, t'avais bien joué. Remonte. T'avais bien joué, tu méritais l'Oscar. Je leur avais dit de te donner l'Oscar, mais ils ont pas voulu. Arrête, s'il te plaît, arrête. Arrête tes conneries. Un peu plus et on s'ennuyait. Alors ça t'a plu cette première plongée? Connasse! Va falloir que je te trouve un autre surnom. La meuf elle rigole au calme, j'ai failli mourir 10 000 fois! Bon les amis, maintenant on va jouer à The London Heist, donc une simulation de braquage, si je puis dire. Bah bien sûr, voilà. C'est bien comme ça, ouvrir le tiroir. Pas de soucis, on prend l'arme au calme, on prend les chargeurs. Ben voilà, c'est bien! Alors, maintenez. Ah, parce qu'en fait, c'est la première fois que j'utilise ça, hein! Moi, je connais pas vos trucs là! Tuf. Initiation terminée! Wouh! Franchement, on est prêt pour être d'accord. Donc, le mec, il a tiré 2 balles. Il est prêt pour. Ok, choisir le mode de jeu, très bien. Scénario. Let's go. Prologue. Tiens. Alors, choisir la difficulté. Gangster, fantassin. Gangster, ah, ça fait, on est des gangsters! Je suis un gangster! Dépôt. East Londonien, 6h32. D'accord. Ah, il se réveille tôt quand même! Il faut le savoir, ça. C'est pas facile, la vie de braqueur, hein. Ah ouais... D'accord, ça vient d'où? S'il vous plaît. Franck. Wesh. On a un problème. Mais t'es où? Je crois qu'il y a un voleur dans la bande. Hein? Ah, je suis là, disparu. Ah, je suis caché. Cet enfoiré nous a tendu un piège. Ah non, je suis pas caché. Il s'est bien foutu de notre gueule. Non, Franck. Je sais pas où elle est. Mais t'en fais pas. Je connais quelqu'un qui a peut-être une idée. Wow. Ouais. C'est pour quelle télé? Tu t'en récupes. BFM, d'accord. Maman! Ouais. Ok. Ah bah si, j'ai mes mains. Ok, Franck. Bonjour, monsieur. Tu croyais que t'allais t'en tirer si facilement? J'ai rien fait, wesh. Je viens de rêver, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Et là, t'es toujours aussi sûr de toi?
Ouais, demande doucement, doucement, doucement. Mais tu vois, si j'étais toi, je la ramènerais pas trop, sale petite merde. Vous êtes costaud quand même, hein. C'était pas compliqué. Tu rentres discrètement, tu prends Serena et tu la ramènes à Franck. Mais non, t'as préféré la jouer solo et disparaître. Qu'est-ce que t'as cru? Que t'étais Harry Houdini? Si, je vais te dire un truc. J'ai toujours aimé ça, moi, les tours de magie. J'en connais un pas mal, je suis sûr que ça va lui plaire. Ouais. Ah bon? Fais voir. Ça. Ta-da! Non, 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 monsieur, on peut s'expliquer, monsieur. Mais si j'ai survécu à un requin, c'est pas une arme qui va me faire peur, espèce de fou, va. J'ai pas peur de... Arrête, arrête, monsieur. Où tu l'as caché? Tu me suis. Arrête. Putain, ça commence bien. Ça commence bien. J'ai rien fait du tout. C'est pas à moi. Parce que je suis arabe et tu m'accuses. C'est pas très gentil, espèce de con. Ah, retour en arrière. Hier, 19h03. Très bien. Wesh! Cigare et tout! Pa. Mon sac est-il au calme? C'est quand il cartime? Alors! Beau gosse! Bon, la cigarette, c'est très mauvais pour la santé, ainsi que les cigares, d'accord? Mais là, on est dans un jeu, tu vois. Voilà. Wesh, tranquille, frérot. Réunion privée. On ferme la porte. Espèce de fou, voilà. Attends 10 minutes. Voilà, au calme, voilà. Voilà. Ça va, ça se passe bien? Ouais, ça va. C'est pas mal la décoration aussi. Franchement, c'est immersif. Il est mort. J'ai pas eu le choix. Ah, tu l'as buté? Bâtard, va. Ouais. Comploté avec les Russes. C'est quoi, c'est la qualité cubaine, ça? Ah, bah oui. Wesh! Cet enfoiré de... Mais ta mère, toi! Son pognon russe. Casse la tête, je vais te brûler! Putain, dans tes fesses, ça s'habille. Voilà. Ça va bien? Voilà. Nyan. Ah, bien! Merde! Mon cigare, il est où? Mon vieux, voilà. Il connaissait bien la chanson. Voilà. Ah là, j'ai. Elle est mon 10e cigare, elle s'appuie mon 10e cigare. On peut pas se faire d'oseille. Ouais. Quand on est dans une cellule ou dans une tombe. Ouais. Et il avait raison. Bah ouais. Cette bande de Ruskov est à côté de la plaque. Ah, je l'éteins. Tout ce qu'ils veulent, c'est buter tout le monde. Ils tuent les gens sans raison. Même les flics les plus ripoux seront obligés de réagir. Ils vont tous nous foutre en tôle. Je l'éteins encore. Tu sais comment on fait tomber un type comme Koslov? On lui met un truc dans les fesses. Faut le faire passer pour un con. Exactement. Tu le provoques, et t'attends que cette grosse brute vienne te régler ton compte. Si les flics lui explosent pas la cervelle, ces gars s'en chargeront. T'es moche. Et c'est pour ça... T'es moche. T'es moche. Ce soir... Hé, hey, j'avais de la fumée qui est sortie. T'es moche. On va attirer son attention. Waouh. En lui dérobant son plus précieux joyau. Pas mal. Pas mal la cochette. Diamant adoré. Serena. T'auras besoin de ça. Téléphone portable. Ah ouais? Lourd. Il est clean. D'accord, ok. Tu le jettes quand t'auras fini. D'accord. Une oreillette. D'accord, très bien. Pour avoir les mains libres. Sponsorisé par iPhone ou comment ça se passe? Du fric. Ah, ça j'aime bien. Là tu me parles. Pour la mission, pas pour tes paris. C'est bon, arrête. Okay. Tu peux parler plus loin s'il te plaît? J'ai désactivé toutes les alarmes. Ouais. Alors tout ce que t'as à faire, c'est entrer, récupérer le diamant et ressortir illico. Si je veux. Pigé? Si je veux. Voilà, en plus c'est mon téléphone qui sonne. Un autre truc important à te dire. Et mon téléphone qui sonne. Attends 10 minutes. On parle l'affaire. Je peux pas l'avoir. Mais putain. Ce boulot, c'est vraiment du lourd. Bah ouais. Et je sais que tu me décevras pas. D'accord. Je te connais depuis pas mal. Wouah. Qui est partant pour danser la Kalinka? J'ai dit que c'était une réunion privée, Mike. Ouais, mais moi c'est différent, Franck. Tiens, là les passes que tu m'avais demandé. C'est le petit gars de Dave. Il les a fait avec son ordi. Merci, Mike. Il a fait. Merci. Putain de bon boulot. On discute là. Ok, ok. Et on discute de quoi? Tu te prends pour un flic? C'est pas tes affaires, putain! Alors tu te casses et tu ramènes le fourgon! Allez, casse-toi! Espèce de fou, va! Laisse-moi finir mon cigare! Voilà! Laisse-moi finir mon petit cigare!
Espèce de fou, là. Bon, mon téléphone, je peux pas le prendre, là. Il est trop loin. Je fais comment? Pas prendre cette merde, alors, là. Comme je disais... Je peux pas prendre cette merde, je suis trop loin. Je te connais depuis, déjà, une belle lurette. Wesh! Tu fais partie de la famille depuis qu'on t'a pris soin. Wesh, mais doucement, ouais, toi. Ouais, c'est ce que t'es pour moi. Arrête tes bêtises. Arrête. Alors, écoute. Arrête. J'aimerais bien prendre, disons, ma retraite. Ouais, bien sûr. Tiens, film. Un peu de tout ce qu'on tiens, a construit toutes ces années. C'est cadeau, tiens. Tiens. Hey, file-moi du feu. Tiens, tu veux du feu? J'ai une brûlée. Tiens. Mais tu veux pas du feu? Ah, il a pas... Bah, je t'emmerde, wesh. Téléphone, il sonne. Hop là, voilà. T'as rien vu du tout. Alors, tu sais que j'adore Mikey. Hey, je peux pas lui passer le flambeau, il a pas assez de cervelle pour gérer le business. Mais toi, par contre, je suis persuadé que t'as tout le potentiel pour empêcher notre petit royaume de c'est vrai. Tomber entre les mains des... C'est vrai, j'ai les capacités, ouais. On me l'a dit depuis toujours. Faut d'abord faire des preuves. Ah bon? D'accord. Tu vois ce carnet? Ouais. Dedans, il y a tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir gérer le business comme un véritable pro. Eh ben, on verra ça. Tu mets le paquet ce soir. Les bookers est à toi. Ah bon? Mais faut faire quoi, en fait? Qu'est-ce que... Quand... Wesh. Où tu parles, là, ta mère, wesh. Tu crois que je suis ton père ou quoi, clochard? Tiens, ton feu, que je m'en bats les steaks, malade. Tu crois que tu m'achètes avec un briquet? Foufou, va. Allez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dépôt Est Londonia, 6h39. Ah, d'accord. De retour dans les dépôts, quoi. Ouais, je t'ai sérieux, là? Tu veux me brûler ou quoi? Ça, c'est pas une chicha. Ça, c'est un putain de chalumeau. Tu veux qu'on stoppe? C'est ça que tu veux? Eh, hey, qu'est-ce que tu mates? Ah, non, oh, non, je regarde rien du tout. T'as des couilles pour me regarder en face? Eh ouais, mon pote, tu vas faire quoi? Tu vas... Toi, tu vas nulle part. Ah bon? Non, mais parce qu'en fait, j'ai vu, il y avait de la lumière ici. Wesh, bâtard, va! Je t'emmerde! Toi et moi, on va jouer à un petit jeu. Ah bon, oh non! On va l'appeler... Où est Serena? Oh non! Tu pensais te tirer en douce à l'autre bout du monde? Ouais, un peu, ouais. Mais t'es coincé là. Merde, ça c'est avec un peu... moi. Ah merde, c'est... j'aurais préféré nous une meuf. On est tous très curieux de savoir si tu sais où elle se cache. Non, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, monsieur. Je vais te cramer la gueule, espèce de petite merde. Putain. J'en ai rien à branler de ce que Frank pense de toi. Je te fais pas confiance. Et tu sais pourquoi? Parce que les seuls qui auraient pu voler Serena aujourd'hui, c'était toi ou moi. Et c'était pas moi, bordel. Alors tu vas me dire où? Chier. J'ai vraiment l'impression qu'il est en face de moi, tu vois. C'est impressionnant. Frank! Attention, il y a la caméra de... Ouais, je suis tranquille. C'est ton genre de chance. Ah ouais? Il a envie de causer avec toi. Allure! Ah ouais, c'est marqué Frank. J'ai cru comprendre qu'on avait un petit problème. Ouais? Oublie Mikey deux minutes. Je veux que tu me dises, avec tes mots à toi, ce qui s'est passé exactement dans le bureau de Victor. Je l'ai déglingué ou... Bah, tu me laisses même pas m'expliquer, wesh! Bureau du Victor Kostlov. Eh, franchement, le jeu est vraiment bien. Il y a une trame et tout, c'est pas mal, hein. Et on a vraiment l'impression d'y être, hein, je vous jure. C'est peut-être pas le cas pour vous, j'en suis désolé, mais quand t'as le casque, waouh! Ça y est, je suis en position sur le toit. Stylé. Je te vois. Mène-toi de trouver ce putain de caillou. Mais bah, 10 minutes, Franck a désactivé les alarmes, alors s'il y a qui que ce soit qui approche, je te le dis. Attends, 10 minutes! Là, des gardes, baisse-toi! Quoi? Des gardes? Baisse-toi! Wesh! Mais ils sont sérieux là? Je suis caché, wesh! Tu me vois pas du tout! Mirage! Voilà! C'est pas moi! Moi je suis pas là, moi! Je veux savoir à quoi tu joues là! Oh merde! Oublie pas le plan! Tu récupères Serena! Merde, non! J'ai pas fait exprès, putain! Poussez-vous! J'ai pas fait exprès, c'est pas ce que je voulais faire à la base! D'accord? C'est juste. Voilà! J'ai pas fait exprès! Wesh! Je croyais que wesh. Tu fais des alarmes. Wesh! Je vais chercher le fourgon. On est de la merde. On est de la merde. Ok, ils arrivent. Oh, y'a un mec là. Je le vois. Wesh! Oh! Non, vous êtes sérieux là? Moi j'ai un petit flingue!
Tu meurs. Hop là. Attends. Il faut que je me fasse derrière. Tu fais mal. Wouah. Attends, Deux minutes. Il fait mal, l'autre. Il tire de où? Il était en ouf. Il est là. Voilà. Il est où? À la Timar. Ah! Attendez, oui, pousse! Monsieur, venez! Merde! Ouais, sérieux! Prends Serena et casse-toi vite. Je trouve. C'est ça, Serena? C'était. Attendez, mais je m'assois. C'était ça, Serena? Tu te fous de moi? Mais fallait me le dire depuis le début! C'est bon, on a trouvé le diamant, les gars! Lourd! Vous êtes où? Ah ouais! Ah ouais, d'accord, on est vachement loin en fait! Tu t'es débarrassé des gardes de Victor, t'as pris Serena et tu t'es tiré! Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends? Dis-moi où tu l'as foutu, ce putain de caillou! Je vous préviens, si vous m'obligez à me déplacer, ça va chier! Fais-lui cracher le morceau, Mikey! Ouais, je tranquille! Franck! Putain de merde! Moi, j'ai juste pris le diamant, puis c'est tout, hein! Moi, j'ai rien fait! Ok. Ça suffit, les conneries! Non! Wow! Oh putain, comment t'as assuré? Ma mine de ses droites? Un vrai feu d'artifice! Banlieue de Londres! Franchement, chapeau! Je suis fier de toi! Wouh! Donc, calme-toi au calme! Reste bien sur tes gardes! Attends, je me mets là au calme! Voilà! Putain, c'est tellement lourd! Je suis avec lui et tout! C'est moi tout ce qu'il a! T'es mal à recharge! Pa! Ça va, ça se passe bien? Ouais, on peut ouvrir ça ou pas? Non? Ok. Ça à ta place. Pourquoi? Pourquoi c'est pas bien? Moi je n'arrête pas de trembler. Ah bon? Quelqu'un qui arrive? Ouais, si tu jettes ça là, t'es con quoi? Wow! Espèce de bâtard! Donne-moi une arme! Donne! Déglingue! Wow! Il est juste là! Ah donc toi tu l'écrases au calme. Ah ouais. Toi t'es un mec. Ok. On va les déglinguer. Allez ça dégage. Tu meurs. Ouais ça dégage. Oh c'est tellement stylé. Tellement stylé ça habite, t'as l'impression vraiment d'y être quoi. T'es là, ça habite avec un Uzi. Tu vas tous les... Ah. Ouais bah c'est bon. Je rigolais un petit peu avec toi. Wouh. J'arrose tout le monde à sa vie. Ah, encore. Waouh. Ça va, tranquille. Esquive. Wouh. Allez, bouge. Attends, je recharge. Voilà. Meurs. Wesh. Ta mère. Tu bouges. Oh, je vais avec toi encore. Oh la tête! Le réservoir! Voilà! Comme ça c'est bien! C'est vrai que le réservoir c'est plutôt efficace, hein! Ah ouais! Ça je te le fais pas dire ça! Oh les dégâts, juste du fou, va! Ramenez-vous! J'ai pas peur! Gauche, droite, je m'en bats les têtes! Allez, attends, 10 minutes! Attends! Voilà. Oh, je me suis dégagé. Le réservoir, attends. Laisse le réservoir au calme. Voilà. Oh la vache, comment il a sauté. T'as vu comment il a sauté. Attends. Eh bien. C'est bien comme ça. Ouh. Ça mitraille. Oh la vache! Il y a quelqu'un qui me tire dessus! Ta mère! Allez, bouge! Wouh! Tiens, c'est pour toi, regarde, c'est pour toi ça! Donne-moi ton réservoir! Allez, bim! On a pas de time! Toi, tu meurs!
Attends, je recharge. Tonnerre! Je t'arrose toi et toute ta famille. Je suis trop chaud, Samy, je suis trop chaud. Allez, bim. Ouah, la vache. Hein? Ah ouais, ça c'est chaud quand même. Oh, c'est chaud ça. Oh, ça va être chaud. Wow. Merde! Arrête tes conneries! On est carrément trop exposé! Attends, je vais essayer de nous rapprocher un peu. Tiens. On a aucune chance, ça va bien. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Ah bon? Oh la vache! Oh, j'ai tué des gens! Regarde, c'est la merde! Wow! C'est chaud! C'est chaud! Hop! Tu meurs! J'ai beaucoup de munitions, hein, ça va être chaud! Lui il est chaud, lui, je peux pas le buter avec avec des munitions simplement! Oh la vache! Attends, 2 minutes! Wow! Attends, j'ai plus de munitions! Les caisses de munitions? Ok! C'est ce que je fais, ta mère! Wow! Oh la vache! Il a explosé! Bien joué! N'aie pas peur! T'as vu ça? Ouais, j'ai vu, ouais! J'ai vu! Ouais, j'ai vu, ouais! Attends, j'ai plus de recharge! Plus de recharge, regarde! C'est la merde! Ouais, mais j'ai plus de recharge. Elle est en train de fumer la voiture, au calme. Ah. Le jeu est tellement stylé. La vérité, il est trop immersif. Franck avait dit qu'il allait désactiver toutes les alarmes. Ouais, bah il l'a pas fait, hein. Il s'est bien foutu de notre gueule. Il fait du ménage. Regarde ce qui est arrivé à French Tony. Il cherche à se débarrasser de nous. Mmh. Il pensait pas qu'on arrivait à prendre le diamant. Il croyait qu'on allait y rester. Tu parles trop, ta mère. Merde. Tu veux qu'on fasse quoi? On va manger un McDo? Un KFC? Un quick? On fait un quick? Si tu veux un quick? Serena. L'avantage, c'est que c'est nous qui avons Serena. Effectivement. Je sais que Franck la veut. Quand il vient à la récupérer. Mais ça n'a aucune chance. D'accord, ok, ça marche. Non, il est plutôt chaud. Le chauve, il a pas de cheveux, mais il a beaucoup d'idées. Dépôt S 658. Ah merde, il va encore me casser la tête. Ah non, là c'était mon ami, maintenant ça va être mon ennemi. Putain, il va me fouetter. Il va me fouetter, c'est ça? Il va me fouetter. Il a le micro. Mais ah. Ah oui, on s'est quand même esquivé. Hein, ouais. On était amis il y a pas longtemps là. Hein? Tu te rappelles pas? Décroche ce putain de téléphone. Wow. Et Franck n'est pas disponible pour le moment. Il est en train de perdre son temps avec deux connards qui veulent pas lui dire où est son putain de diamant. On peut se parler en privé 2 secondes? Bon, comme tu l'as compris, l'enjeu est de taille sur ce coup-là. Surtout pour toi, personnellement. Alors, est-ce que je vais devoir me salir les mains? Ou bien l'un de vous deux va finir par me cracher le morceau? Voilà. Doudou, Franck. J'étais justement en train de faire chauffer le chalumeau. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi le début de la fin à Mikey? Franck, je vais la jouer médiévale, je vais me faire un plaisir de lui cramer les yeux. À quoi tu joues là? Arrête de pointer ça sur moi! Non, Franck! Les alarmes! Ces putains d'alarmes! French Tony, tu fais le ménage! Quoi? French Tony? Mais French Tony était une saloperie de taupe! Et tu sais quelles seront leurs réserves au taupe, Mikey! Arrête de baratiner, Franck, ça marchera pas! Bute-le! De ma gueule! Bute-le! Il nous a piégé! Appuie! Wow! Doucement! Battez-vous là-bas! Non! Moi, ta mère! Pas sur moi! Steve! Oh la vache, bien joué, papy! Wow! Wow!
Il l'a blessé, Donne. Donne-moi un truc. Il y a un marteau là, je sais pas c'est quoi. Donne le flingue. Voilà. Faites-moi des malins. Faites-moi ce putain d'enfoiré. Faites-moi des malins. Hein? Hein? Allez hop, ça dégage. Malade, trop détail. Allez hop. Espèce de fou. Toi, je t'aime bien. Bordel de merde. Toi, je t'aime bien. C'est pas possible. Voilà. Si je te connaissais pas un peu mieux, j'aurais carrément l'impression que t'as hésité. Putain de merde. Allez. Faut vite qu'on dégage d'ici. Koslov va débarquer. Et un mec de ce genre. Pour un caillou de cette taille. Ah, Dan. Il serait capable de buter sa propre mère. Dan. Allez, tiens. Quand même, hein. Je t'ai sauvé la vie, croyez, je te mets une balle, c'est d'œuf. Tu peux me détacher? Monsieur, s'il vous plaît. Lourd. Ouh, on a fini. London East. Attention à sa vie. On rigole pas du tout. Fin. C'est la fin, en plus j'ai faim, ça tombe bien. Voilà. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors je vais pas partir comme un voleur. Le PlayStation VR, mon avis, honnêtement, sur les deux jeux que j'ai testés là actuellement, c'est immersif. On va pas se le cacher, c'est immersif. Graphiquement, c'est un peu moins beau, entre guillemets, que l'HTC Vive. Après c'est normal, tu passes de PC à PS4, tu vois. Mais je m'attendais à pire, vraiment à pire, tu vois. Après l'inconvénient, c'est que ça coûte quand même 400 balles. Mais il faut aussi rajouter la caméra, il faut rajouter les PS Move, donc ça monte facilement à 500, 600 euros avec les jeux, quoi. Ouais, ça picote, ouais, c'est clair que ça picote. Mais ça reste toujours moins cher que l'HTC Vive à 1000 balles ou l'Oculus Rift, ouais. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit like, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et puis on se dit à la prochaine. Salut!